Nous avons fait un rapport complet, c'est le rapport final, et ce rapport final est composé de deux parties. Il y a une partie qui reprend la plupart de nos constats, après le premier et le deuxième tour, d'une manière synthétique, pour dire ce qui s'est passé, selon nous. Et dans une deuxième partie, ce rapport présente des recommandations pour améliorer le cadre électoral, le cadre juridique, l'organisation pratique des choses. Ce n'est pas nous qui décidons, c'est au malgache, bien sûr, que nous respectons pleinement la souveraineté du peuple malgache exercée par ses représentants. Et donc, c'est à vous, c'est à eux de jouer cela. Permettez-moi de dire aussi que je l'ai publiquement félicité l'ex-président Marga Valumanana pour son comportement. Avoir accepté le résultat des élections, c'est un geste de grande responsabilité. Je crois que le peuple malgache ne va pas oublier ce geste de responsabilité. C'est pas facile de perdre des élections. Le rôle joué par la société civile et le rôle joué par un certain nombre de candidats qui ont joué le jeu et qui ont reconnu le gagnant, c'est quand même des choses qu'il ne faut pas oublier.